Exercice d'indépendance, voilà des trucs que négligent souvent les guitaristes, au moins les guitaristes en tout cas, et qui servent pour le sens de la structure et puis parce que ça fait vraiment bosser la concentration. Donc un exercice où je vais faire deux mesures à quatre temps de noir à la main gauche pendant que je ferai des croches à la main droite et au bout de deux mesures, je vais changer, je vais inverser. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il se passe vraiment quelque chose. Déjà, le fait de le faire en soi, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Et ensuite, le fait de s'imposer de changer toutes les deux mesures, ou toutes les mesures, ou toutes les quatre mesures, je vous conseille de travailler les trois options. C'est vraiment intéressant, je trouve, de parce que ça m'a l'air de forcer à travailler. En plus, forcément, il faut se concentrer sur où on en est de la mesure. Donc, pour tous les gens qui ont des problèmes qui se perdent dans les grilles, etc., etc., qui bouffent des temps, c'est des bons exercices. Alors, j'essaie de vous le faire à 70. Là, j'ai mis un petit signal sur le premier temps, sur le clic, mais c'est pas forcé de le mettre, évidemment. Alors, j'y vais. Donc, noir à la main gauche, croche à la main droite pendant deux mesures, et après, j'intervertis le truc, mais sans m'arrêter. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors j'essaye à 85, 15 points au-dessus. C'est travaillable à tous les tempos évidemment, hein. Bien, bien plus lentement, bien plus vite, enfin faut vraiment tout bosser. 2, 3, 4. Et voilà, on en fera d'autres sur ce modèle.